j'ai grandi à La Réunion jusqu'à mes 14 ans, avec ma famille, ma mère, mes frères et mon père. Ensuite, j'ai quitté La Réunion pour venir en France pour pouvoir développer dans la boxe. J'ai eu beaucoup moins d'amis que les autres, je sortais pas beaucoup. Alors ma carrière a vraiment commencé quand je suis arrivé à Paris, au Mamoudi Gym. Dès la première année, je suis parti avec mon entraîneur aux États-Unis pour boxer pour un titre amateur, un titre mondial amateur que j'ai remporté. Ça m'a donné encore plus de motivation et plus de force pour continuer. J'ai décroché mon premier titre mondial à 17 ans à Bangkok, ma ceinture S1, et ça m'a donné encore plus de force. Mes entraîneurs, ils ont toujours été là, ils nous ont jamais lâchés, quoi. Donc au début, quand j'étais un amateur, financièrement, c'était pas ça. Je gagnais pratiquement rien. Ensuite, quand je suis parti en Thaïlande et que j'ai décroché ma ceinture de champion du monde, j'ai commencé à boxer dans des grosses organisations, j'ai commencé à toucher des bonnes primes. J'ai énormément de fans à travers le monde. Comme il n'y a pas longtemps, j'étais à Bangkok et il y a des gens qui m'ont reconnu, qui sont venus prendre des photos avec moi puisqu'ils m'ont reconnu du ONE FC. Ce qui me motive, c'est de rendre fier ma mère et mon père et de leur prouver que tous les sacrifices qu'ils ont faits, c'est pas pour rien et que je vais réussir dans ce que je fais. La seule chose que j'ai à prouver, c'est prouver à ma mère que je peux réussir et que tout ce qu'elle a fait, c'est pas pour rien. Ça va être un combat très dur, mais je me suis entraîné pour ça et je serai prêt. J'ai des très bons entraîneurs avec moi qui m'ont mis un game plan assez précis. Donc je pense que je vais faire un beau combat.